Beau Azur Soyer depuis le début de sa carrière, on n'a pas vu grand chose. Non, un petit poulain un peu compliqué. 13,50€. Il court pas mal l'autre jour avec Jean-Yves à Compiègne, il m'a dit. Donc on va essayer de lui faire prendre des gains. Je vous rappelle les rapports de la 4e course avec le pas dénué de moyens. Alors qu'est-ce qu'on en fait là mardi? 80. On le regarde courir pour l'avenir. 2,20€. Pas possible de terminer dans les 3, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué et puis on va essayer de prendre des gains avant d'être à la lutte pour les 3 premiers. Hein. Il nous faut un peu de gains pour l'avenir pour courir, donc on va faire attention. Tessaco Dupont, lui, il vient de rassurer. 5,50€. Ouais, le cheval a eu un petit passage à vide. Il court bien l'autre jour, hein. C'est pas très heureux en train de ligne droite, mais il fait une belle valeur. Là, il faut rendre 25 mètres. Donc, 42,60€. Ça va être pas mal quand même. Il est dans les mêmes dispositions. Ouais, le cheval est bien. Donc, rien à signaler, bien travaillé, tout va bien. On note également qu'il a quelques disqualifications à son compteur. C'est un cheval avec lequel il faut vraiment prendre des gants. Non, le cheval il a un passage à vide parce que c'était un cheval sérieux. Il avait fait un bon début de saison. Il avait marché 14 au croisé. Après, il a fait des belles pertes, battu par des U à Reims. Il a eu un petit passage à vide, rien de. Non, c'est un cheval gentil.